L'objectif de tout pays est son développement. Et le centre de tout développement, c'est l'homme. Alors que l'homme doit s'asservir aux plantes. Et face aux pressions de la démographie galopante, il est là pour trouver des solutions aux plantes. Et souvent, la solution est de créer de l'emploi en industrialisant les pays à tout prix. Alors que bon nombre d'industries doivent aussi leur servir en long terme à une gestion des forêts. Je vois l'industrie textile, à passer par celle du papier, de la vannerie jusqu'à l'industrie cosmétique, prête à reconnaître les valeurs végétales, que ce soit les statuts socio-économiques, mais aussi notre santé physique et mentale. Sache que le développement a toujours été fortement lié aux forêts. Aussi vrai que les forêts ont un impact sur l'évolution urbaine, comprenez qu'il reste les gardiens de la santé humaine. Remède spécifique contre le paludisme célèbre la quinine. Alors sache que les progrès médicaux dépendent largement de la diversité biologique. Et si les forêts restent la première destination touristique, passionnés de découvertes et de bons moments, comprenez que le tourisme reste l'un des moteurs du développement. Et parce que la biodiversité a les forêts comme trésor, sache que l'homme est dépendant des forêts non seulement pour son confort, mais aussi pour sa survie.